J'irai pas de ce côté à ta place. Pourquoi tu dis ça? En fait, j'ai oublié pourquoi. Fais un effort, essaie de te rappeler. C'est en plein ce que je fais, mais tu... Alors, est-ce que ça te revient? Non, et c'est en train de me rendre complètement fou. Tu crois que je peux sortir? Quoi? Est-ce qu'il y a des chasseurs qui rôdent? Non. Alors, coucou! Ça va? Faut croire que t'avais pas vu le piège. En tout cas, moi, je l'ai vu tout de suite. Tu dois avoir terriblement honte, t'en fais pas. Personne ne le saura. Quoi? Tu dois descendre de là. Laisse-moi t'aider. Oh, attends. Ne bouge pas. Non, ne... Arrête ça. Est-ce que tu... Non, mais arrête. Ça ne sert à rien. Il n'y a qu'une seule solution. Tu devras te ranger toi-même la patte. Tes conseils de petit ours ridicule ne m'intéressent pas. Tout ce que je veux, c'est ce bâton. Ok, tiens, le voilà. Non, je vais me débrouiller tout seul. Remets le bâton là. Non, là où tu l'as trouvé. Oh. Oui, là, à gauche. À côté du petit caillou. Ici? Oui. D'accord. Eh bien, cet arbre a l'air d'être très résistant. Tu sais, quand j'étais jeune, je grimpais toujours aux arbres. Et il y en avait de toutes sortes. J'ai grimpé dans des sapins, dans des chênes, dans des érables, dans des acajous, dans des bouleaux, dans des saules, dans des cerisiers. Mes yeux larmoyaient et ma langue était toute enflée. Et à partir de ce jour-là, j'ai toujours fait attention à ce que je léchais. Tu vois, il faut savoir se servir de sa tête. Oh, ça c'était rigolo, fais-le encore. Tu t'en allais pas quelque part quand je t'ai rencontré? Ouais, à la rivière au sommet. J'ai une idée, je te fais descendre et on y va tous les deux, d'accord? Ouais, d'accord si t'insistes. Si par magie t'arrives à me faire descendre d'ici, je te suivrai à ta rivière. Au saumon. Oui, c'est ça. Mais si je reste accroché, tu tournes les talons, tu pars loin d'ici et tu ne reviens surtout jamais. T'entends? C'est juré? Je jure. Sur ton petit doigt? Ouais, si tu veux, je le jure sur mon petit doigt, mais je te souligne que c'est un piège d'humain et toi, tu n'es qu'un petit ourson idiot et donc je ne vois vraiment pas comment tu arriverais à... Alors je me disais qu'on devrait voyager le jour et dormir la nuit. Je me couche toujours une heure après le coucher du soleil. Et je crois que... Sauf qu'il peut! Ouais, bon vent.